Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Walid Selman, bonjour. Bonjour Hakim Bey, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mardi 26 mars, le Conseil de sécurité adopte une résolution pour un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Une première depuis le début de l'entreprise génocidaire sioniste contre le peuple palestinien à Gaza. Le texte voté porte l'empreinte de la diplomatie algérienne. C'est la première fois que tous les membres élus présentent un projet au Conseil sur la question palestinienne. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjamma, exprime ses remerciements à tous les membres du Conseil, un rôle et une détermination algérienne saluée par l'ambassadeur de Palestine à l'ONU, l'ambassadeur de Palestine en Algérie ainsi que le représentant du mouvement de résistance Hamas que nous écouterons dans cette édition. Il y aura également dans ce journal de l'économie avec l'introduction en bourse, la CPA, une instruction qui avait été donnée par le président de la République, 80% des actions mises en vente. Il s'agit là d'une véritable dynamique pour l'institution boursière. On fera le point et le bilan de cette opération ce matin. 16e jour du massacre de Ramadan, on s'intéresse au plan de transport adopté par la société d'exploitation des gares routières d'Algérie, des dessertes et un programme nocturne renforcé. Un reportage réalisé hier soir vous sera proposé dans ce journal. Du sport, deuxième sortie des Verts ce mardi sous la houlette du nouveau sélectionneur Petkovic. Les Verts affrontent en amical l'Afrique du Sud. Et puis suite et fin de la 21e journée de Ligue 1, précieuse victoire à l'extérieur du leader, le Moudia d'Alger, aux dépens de la JS Saoura. C'est une première depuis le début de l'entreprise génocidaire sioniste contre le peuple palestinien à Gaza. Le Conseil de sécurité a adopté une résolution pour un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Le texte voté porte indéniablement l'empreinte de la diplomatie algérienne. Le texte qui a eu l'aval de 14 membres du Conseil de sécurité, les États-Unis qui ont brandi à 6 reprises leur veto ont opté pour l'abstention. L'Algérie a mené d'intenses négociations ces deux derniers jours. Elle a rédigé une proposition. Elle traite notamment d'un cessez-le-feu immédiat conduisant un cessez-le-feu permanent, la libération de tous les détenus et la garantie de l'acheminement de l'aide humanitaire et des besoins médicaux. C'est la première fois que tous les membres élus présentent un projet au Conseil sur la question palestinienne. Après le vote, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjamma, a exprimé ses remerciements à tous les membres du Conseil de sécurité. Je tiens à remercier tous les membres du Conseil de sécurité pour leur attitude conciliante et constructive qui nous a permis d'adopter ce projet de résolution qui n'avait que trop tardé. Une résolution qui appelle à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et ce afin de mettre un terme aux massacres qui, hélas, sont toujours perpétrés et ce depuis plus de 5 mois. Au cours de ces 5 derniers mois, le peuple palestinien a gravement pâti de cette effusion de sang qui se poursuit depuis bien trop longtemps. Ammar Benjamma, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, une traduction signée Sami Aloun. Ce vote de la résolution de cessez-le-feu immédiat à Gaza est l'aboutissement de la détermination de la diplomatie algérienne, nous dit Baptiste Ranissa, analyste politique contacté par Hanan Saïsi. Une résolution enfin adoptée dans laquelle l'Algérie a grandement contribué. D'ailleurs, à ce propos, ni les pressions, ni les orientations lobbyistes ou l'entité sioniste au sein de l'ONU n'ont détourné d'un iota, je dirais d'un iota, la position de la diplomatie algérienne, ni d'ailleurs sa quête à faire valoir le droit des Palestiniens en général et l'aboutissement d'un cessez-le-feu en particulier et à plus court terme, je dirais. Donc l'Algérie, est par la voix de son ambassadeur et représentant permanent à l'ONU, a fait savoir qu'elle continuerait sans fléchir à jouer son rôle, un rôle déterminant d'ailleurs, et en droite ligne avec les instructions du président de la République, Al-Majid Tebboune, à savoir restituer à la Palestine tous ses droits fondamentaux en tant qu'État souverain. 6 textes rejetés, plus de 5 mois de bataille diplomatique au Conseil de sécurité. Cette résolution est synonyme de victoire pour le peuple palestinien. Amjad Shihab, politologue palestinien, contacté à Al-Quds par Souad Ben Batouch. C'est une victoire pour la Palestine. Le Conseil de sécurité a essayé de faire ça depuis plus de 5 mois. L'importance de cette résolution, c'est une résolution sans condition. Le projet des États-Unis, c'était lié à la libération des otages entre les mains de la résistance palestinienne et de faire porter la responsabilité à la résistance palestinienne s'il ne libère pas les otages et donne une légitimité à l'occupation israélienne de continuer ces massacres. C'est une avancée dans la bonne direction. Il reste l'application de cette résolution et c'est un défi pour le Conseil de sécurité.
Et justement, côté réaction, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est félicité de cette adoption du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a appelé à sa mise en œuvre. Un cessez-le-feu immédiat à Gaza doit être un tournant, je cite, pour mettre un terme à l'agonie des Gazaouis, a plaidé l'ambassadeur palestinien à l'ONU pour sa part, pour Riyad Mansour. Cela doit être le signal de la fin de cet assaut d'atrocité contre le peuple palestinien. L'ambassadeur de la Palestine, Al-Jefeiz Abouaita, a salué également le rôle de l'Algérie, son rôle en se félicitant de l'adoption de cette résolution. Le représentant du mouvement de la résistance palestinienne Hamas à Alger a salué également le rôle engagé par l'Algérie. Youssef Hamdan, contacté par Karima Bennour. Nous saluons l'adoption d'une résolution pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza par le Conseil de sécurité. Cette résolution est un coup porté à l'occupation sur la scène internationale et met tout le Conseil devant ses responsabilités pour obliger cette occupation à cesser son agression et sa politique d'affamer les Palestiniens. Ces efforts diplomatiques doivent se poursuivre pour isoler l'occupation qui devra se soumettre. Washington doit cesser le soutien militaire à l'occupation si elle était vraiment sérieuse dans ses déclarations de condamnation des comportements des sionistes. Nous assurons que la libération des prisonniers de guerre par la résistance est conditionnée par la libération des prisonniers palestiniens détenus dans les prisons de l'occupation. Nous valorisons et saluons les efforts de l'Algérie au sein des instances internationales ainsi que tous les pays qui ont soutenu notre peuple pour mettre fin au génocide qu'il subit. Et justement, à propos de la position et de la réaction de l'entité sioniste, le gouvernement sioniste a estimé que l'abstention américaine nuisait aux efforts de guerre et à la libération des otages dans la bande de Gaza. Il s'agit d'un net recul par rapport à la position constante des États-Unis, je cite, au Conseil de sécurité depuis le début de la guerre, le 7 octobre dernier. Déclaration du Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahu qui a annulé le départ d'une délégation à destination de Washington. Pour rappel, avant cette séance, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, avait reçu un appel de son homologue américain, Anthony Blinken. Les deux chefs de la diplomatie ont discuté des derniers développements à Gaza et avaient échangé à propos de cette résolution présentée par les 10 membres non permanents du Conseil de sécurité. Nous vous disions au tout début de cette édition, c'est avec brio et dextérité dans la démarche diplomatique algérienne qu'a été voté ce texte pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Justement, l'Algérie connaît une action diplomatique historique renforcée en sa qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité, en plus des dossiers relatifs aux causes justes palestiniennes et sahraouies, entre autres, mais également sur le plan continental et régional. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin Hanan Saïsi. Un redéploiement diplomatique dans une approche proactive depuis ces dernières années, la politique étrangère se veut attachée aux principes nobles et historiques du pays et qui place l'Afrique en tant que profondeur stratégique. Nourdine Djoudi, ancien diplomate. L'Afrique subsaharienne est notre profondeur stratégique. Le président Tebboune, au sommet de l'Union africaine, il avait déclaré qu'il considérait que l'Afrique était une priorité pour nous. Depuis un certain temps, nous avons repris ce qui était à la base de la révolution algérienne et ce qui avait été déjà engagé par le regretté président Bourdine. Actuellement, nous nous sommes engagés pratiquement auprès de tous les pays africains. L'appareil diplomatique est épaulé par l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. Elle a pour mission la mobilisation optimale au service du développement socio-économique en Afrique. Abdrahman Hadef. Certains projets qui vont dans le sens des besoins de certains pays, tels que dans les domaines de la santé, de l'hygiène, de l'éducation, de l'énergie. Et aussi, il y a eu des projets d'envergure considérés comme des projets structurants. Tous ces projets-là vont participer au développement et à l'intégration économique, mais aussi à une nouvelle dynamique de coopération avec des pays que l'Algérie considère amis et surtout avec lesquels elle souhaite développer davantage le partenariat. Des investissements dans divers domaines pour lesquels l'Algérie a affecté 1 milliard de dollars en 2023. Une démarche constante que l'Algérie adopte dans son interaction avec sa profondeur africaine.
7h10, l'économie avec l'introduction en bourse du capital de la CPA, une instruction qu'avait donnée le président de la République. On fait ce matin le bilan de cette opération. Plus de 112 milliards de dinars sont levés pour permettre cette opération, soit 80% des actions mises en vente. Il s'agit là d'une véritable dynamique pour l'institution boursière. Sophia Bokacha. Plus de 80% des actions mises en vente ont trouvé preneur pour un total de plus de 112 milliards de dinars. C'est même au-delà des objectifs tracés. La majorité des actions sont acquises par des particuliers. Ali Khadri, président, directeur général du Crédit Populaire d'Algérie. Une opération qui est historique pour nous. Elle est aussi historique pour la Bourse d'Alger, puisqu'elle porte sur un montant qui est très important de 138 milliards de dinars. Et l'objectif, c'est de vendre 30% du capital social du Crédit Populaire d'Algérie. Alors, le montant, il est de 138 milliards de dinars, soit 60 millions d'actions. À la clôture de l'opération, nous avons réalisé 112 milliards de dinars de placement, correspondant à 49 millions d'actions, soit 81,60% de l'opération. L'introduction du CPA en bourse confère plus de dynamisme pour la bourse et constitue une alternative de financement des entreprises. Mohamed Achir, maître de conférence en sciences économiques à l'université de Tizi Ouzou. Cela donnera l'occasion à la bourse d'augmenter le nombre de cotations. Aujourd'hui, on est avec le CPA à 5 ou 6 cotations seulement. Avec cette introduction, la capitalisation boursière va passer à environ 1 milliard de dollars. Donc, c'est quand même assez intéressant. Constitue une alternative de financement des entreprises. Et l'offre plusieurs titres financiers. C'est un espace sur lequel il y a une rencontre directe entre les agents à besoin de financement et les agents à capacité de financement. La bourse constitue l'une des alternatives efficaces pour que les entreprises puissent lever des capitaux d'une manière moins onéreuse, même en termes du coût du capital. La prochaine en bourse, la Banque de développement local au courant de l'année. Ces mesures sont prises dans le cadre de la réforme du secteur financier et bancaire. Nous sommes au 16e jour du mois sacré de Ramadan. On s'intéresse ce matin au plan de transport adopté par la société d'exploitation des gares routières d'Algérie. Qui a mis en place un plan spécial à l'occasion du mois sacré de Ramadan. 35% des départs sont revus en nocturne pour mieux répondre au flux important des voyageurs. Un plan de desserte renforcé également. Nous vous proposons ce matin ce reportage réalisé hier soir par Sami Alloun. C'est à la gare routière de Khérouba que des voyageurs affluent après l'iftar pour prendre le bus en consultant tout d'abord les horaires des multiples destinations sur un écran placé à l'entrée. En ce mois sacré de Ramadan, surtout pour les trajets nocturnes, les chauffeurs de bus redoublent de vigilance, comme Ahmed, conscient de la responsabilité qui lui est confiée. Première des choses, il faut avoir eu assez de repos, un bon sommeil. Je suis conscient d'avoir 47 personnes qui sont ma responsabilité. Je dois donc constamment surveiller chaque véhicule de devant ou derrière moi. Pour les trajets nocturnes, il faut être très vigilant. Nous voulons à tout prix éviter le moindre accident ou incident, surtout pendant ce mois sacré de Ramadan. En ce mois sacré de Ramadan, pour la société d'exploitation des gares routières d'Algérie, c'est un plan d'action spécial qui est mis en place afin de mieux prendre en charge les besoins et exigences des passagers qui se déplacent vers les 58 wilayas. Smaïl Saadouni, chargé de la communication au niveau de Sogral. La première action, c'est réaménagement de départ, 35%. Des départs transférés vers le départ de soirée parce que la majorité des personnes veulent se déplacer le soir, pas la matinée. Dans le même plan d'action, nous avons l'intensification de départs. Habituellement, nous avons 3000 départs par jour. Dans le mois de Ramadan, surtout la première et la dernière semaine de Ramadan, nous avons 5000 départs. Pour accompagner les voyageurs, des applications et portails web sont proposés à travers lesquels pas moins de 20 000 tickets ont été vendus à ce jour pour à la fois diminuer la charge sur les différents guichet, tout en fournissant aux voyageurs toutes les informations clés pour se déplacer en toute tranquillité. Et du sport pour terminer, deuxième sortie des Verts ce mardi sous la houlette du nouveau sélectionneur Petkovic. Les Verts affrontent en amical l'Afrique du Sud et puis suite et fin de la 21e journée de Ligue 1. Précieuse victoire à l'extérieur du leader Oumdia d'Alger aux dépens de la JS Saoura. Le Paradou Athletic Club et l'étoile de Ben Aknoun se sont séparés sur un score nul, 1-0 partout. Un point précieux pour l'étoile de Ben Aknoun qui lui permet de quitter la zone de relégable. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.